Urucanco rugira kabiri k'ingwara ya gasama na rubeur ni ngombwa ku mwana wese akwije umwaka n'igice kugira dukingira amagara yiwe. Participer dans le développement inclusif, c'est la mission de la microfinance Eden, une institution financière d'épargne et de crédit, comme le précise Mme Ndizeye Chantal, présidente du conseil d'administration. Eden Microfinance est une institution financière créée pour appuyer les activités génératrices de revenus pour toutes les couches de la population burundaise en vue de contribuer au développement global de notre pays. Notre mission, c'est d'inviter la population et d'encourager toute la population burundaise de travailler en groupe pour profiter des crédits avec un petit taux d'intérêt. Dans le souci de soutenir et d'encourager les différents partenaires de la microfinance Eden, les membres du bureau cadre de Eden Microfinance se sont rendus ce mardi 17 mars sur la colline Rubira de la commune Mpanda en province Bubanza. Ils ont prêté main forte à l'association du Fashion la Microfinance Eden dans les activités de semis du maïs. Eden Microfinance, tel imbere iri kumwe n'abarimyi bo mu Rubira. Mu Rubira kaze Eden, kaze Microfinance Eden mu Rubira n'abarimyi bo mu Rubira. Eka nabo muri mu commune Mpanda bose. Kaze muri Eden Microfinance wajageze mu Rubira ari nacho gituma tubona ko mu mwaka uri imbere mu Rubira bose bazobateye imbere twese tuzatwete imbere. Didier Etienne Ndayiziga, chargé du marketing, nous en dit plus. Qu'on est venu pour voir si réellement l'objet du financement était bel et bien l'agriculture. On est satisfait, vous avez vu, il y avait une grande masse, il y avait beaucoup de gens qui ont venu répondre à l'appel. C'est-à-dire qu'ils avaient entendu qu'une délégation d'Eden Microfinance les rendra visite. Tout le monde était ici. On pense que même il y a quelques membres, quelques gens qui ne sont pas membres du groupe qui sont venus pour soutenir leurs amis ou bien les membres de leur famille qui font partie du groupe de Fashion Eden Microfinance. L'honorable Jean-Marie Nukamazina, encadré de cette association, affirme le soutien indéfectible de Eden Microfinance à l'endroit de l'association qui le parraine auprès de cette institution financière. Le crédit sera sans aucun doute remboursé parce que c'est un crédit de 39 351 100 francs. Nous mettons tous nos efforts pour essayer de protéger ce crédit et pour être crédible. Parce que si vous ne payez pas le crédit, vous ne serez jamais crédible. Et nous devons absolument, Rubira doit absolument être crédible. Le premier crédit de 33 millions et quelques centaines de milliers de francs a été donné pour la culture du maïs. Et vous voyez ce terrain-là, c'est un terrain qui est autour de 9 hectares qui ont été labourés. Et l'autre crédit, c'est un crédit qui va être utilisé pour la culture du riz. L'appel que je lancerai à cette population de Rubira de se diriger vers la microfinance Eden. Eden, d'abord, vous savez, c'est le nom Eden, c'est le repos divin, quoi. Donc c'est le jardin. Le jardin où Dieu a créé pour vraiment se reposer éternellement. Donc, j'appelle la population de Rubira de s'adresser à Eden Microfinance pour que cette population puisse vraiment se développer. Et je suis sans aucun doute sûr que ce développement sera vraiment très palpable. Il importe de signaler que la présidente du conseil d'administration de Eden Microfinance a été satisfaite de la détermination de la population de la colline Rubira à développer les localités et elle a promis que la microfinance Eden ne cessera pas d'appuyer les initiatives au développement. Allez,
twebwe muri Eden Microfinance twahagurutse duhagurutse turifuza yuko abanyuranye tuba twakoranye turabakurikirana ku mirimo mu gihe bafite ishaka turifuza yuko iyo myaka itanu twayivunja mu myaka ibiri. Vous saurez que Eden Microfinance se situe à l'avenue de la RDC auprès de l'ambassade du Rwanda. Urucanco rugira kabiri ukinga ingwara y'agasama na rubeor ni ngombwa ku mwana wese kwijumwaka n'igice kugira dukingira amagara yiwe.